Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux faire mieux que ça, hein, pour le roi des rois. Pour celui qui t'a gardé depuis janvier jusqu'à décembre. Pour celui qui a gardé ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme. Celui qui a soutenu l'Église. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À la beauté du Seigneur. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a racheté pour Dieu. Oh, à jamais. De louange, digne de louange, digne de louange.
bouche, il règne à jamais. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais ça finira par passer. Il n'y a que Jésus qui règne, et il règne pour l'éternité. Cette maladie finira par partir au nom de Jésus. Il règne dans nos cœurs, il règne dans nos vies. Il règne, il règne, il règne, il règne, il règne. La sanara reshika, sanara barikederimos, rabashaniri. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il règne, il ne partage pas son règne. Il ne cohabite pas avec les ténèbres. Il ne cohabite pas avec la maladie. Sable bossana. Alléluia. Sadarika. Sadarababa. À jamais tu règnes. Seigneur, nous sommes disposés. Ce peuple est là pour toi. Viens glorifier ton nom. Esprit de Dieu, glorifie ton nom. Que les cœurs soient prêts à recevoir ce qui vient de toi. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il envoya sa parole. Parole, il y a tout ce dont l'homme a besoin. Je me présente comme un sale canal, un simple canal devant toi. Remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit, afin de communiquer la pensée de Dieu. Amen. Vous pouvez vous mettre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les chanteurs. Que Dieu soit béni. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce, l'opportunité qu'il nous donne encore ce matin de partager la parole. Avant de commencer toute chose, comme j'allais dire, c'est l'habitude de la maison, mais nous voulons honorer le père de la maison. Et je dis merci à papa pour la confiance, merci pour la formation, merci également à maman Lydie, et merci à toute l'église de nous soutenir. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons partager sur la grâce de la restauration. La grâce de la restauration. En méditant la Bible, j'ai constaté que notre Dieu est réellement un Dieu de restauration. En fait, notre Dieu est parfait et tout ce qu'il fait est excellent. Et il vit dans l'excellence. Et l'homme qu'il a créé est un être excellent. Mais nous allons le voir qu'à cause du péché, l'homme a été déformé. La création de Dieu, la créature de Dieu a été déformée. Ce qui a emmené des maladies, ce qui a emmené des pestes, des sauterelles, des malédictions qui pèsent sur l'homme. Et Dieu, dans son amour, vient pour restaurer l'homme. Amen. Et en fait, toute la Bible nous parle de ce Dieu d'amour qui ne cesse de faire du bien afin de restaurer les hommes. Alors, qu'est-ce que la grâce? Nous l'avons déjà vu il n'y a pas longtemps. Ce sera juste peut-être un rappel pour certains.
La grâce est une faveur imméritée que Dieu accorde à un homme, une femme. Et la Bible dit dans Romains 8, au verset 18, Dieu fait grâce à qui il veut. Et je crois ce matin que ta venue en ce lieu te rend éligible à la grâce de Dieu. Amen. Vous savez, ce matin, si tu sens une parole qui est pour toi, n'hésite pas à dire Amen pour attester et confirmer cela dans ta vie. Amen, amen. Donc Dieu fait grâce à qui il veut. C'est une compassion, une faveur qui sort une personne de l'affliction pour l'emmener dans une saison de choix. Et dans la restauration, il y a la joie de Dieu. La grâce, en grec, c'est le chari qui signifie bienfait, un secours, une aide, une assistance. C'est-à-dire Dieu te voit dans une situation qui le peine. Et vous savez, il y a ce genre de situation où l'argent ne peut rien faire. Il y a ce genre de situation où les relations que tu peux avoir autour de toi ne peuvent rien faire. Et dans ce genre de situation, la seule chose dont tu peux bénéficier, c'est la grâce de Dieu. C'est l'intervention divine de Dieu. Et qu'est-ce que la restauration? La restauration, selon le dictionnaire, c'est la remise en état. C'est la réfection. C'est un rétablissement, une nouvelle vigueur donnée à quelque chose. Quand on parle de restauration, on voit la renaissance, on voit la rénovation, on voit le rétablissement, on voit la guérison et on voit le repositionnement. En cette fin d'année, Dieu m'a donné ce message pour dire à quelqu'un que Dieu veut te repositionner. Vous savez, au cours de l'année, on espère beaucoup de choses et on peut aussi perdre beaucoup de choses. Et c'est le propre de l'homme, c'est qu'on peut regretter parfois avec le temps les erreurs du passé. Mais Dieu est capable de restaurer ce que tu as perdu. La restauration amène l'harmonie, l'ordre, le calme, la quiétude, la paix et la joie. Lorsque Dieu restaure une personne, les larmes qui étaient auparavant des larmes de tristesse sont changées en sujet d'allégresse. Dieu veut faire sourire quelqu'un en cette fin d'année. Amen, amen. Dieu veut faire sourire quelqu'un cette année. Et en fait, pendant que je préparais le message, je voyais des cœurs qui étaient affligés. Des cœurs qui étaient tourmentés. Des cœurs qui se posaient énormément de questions. Et il m'a dit, va dire à quelqu'un ce matin que je suis capable de restaurer la vie d'une personne. Je suis capable de restaurer en dépit des réalités que cette personne voit. En dépit de ce qu'elle est en train de vivre. En dépit de toute la destruction qui est autour de sa vie. Moi, l'Éternel, je suis capable de restaurer. Mais on ne peut pas parler, ou plutôt, j'allais dire que quand on parle de restauration, tous les domaines de nos vies sont sujets à la restauration de Dieu. Alors, pendant que je parle, par la grâce de Dieu, nous aurons peut-être un temps de prière à la fin. Alors, essaye de cibler dans quel domaine tu t'attends à la restauration de Dieu. Ce n'est pas un spectacle que nous sommes en train de faire, il s'agit des vies des personnes. Alors, Dieu veut faire du bien à quelqu'un au travers de cette parole. Tout mérite d'être restauré. Travail, famille, foyer, santé. Situation maritale, situation financière, vie de prière, vie de consécration, projet,
relation. Relation avec Dieu par-dessus tout. Mais lorsqu'on parle de restauration, ça veut dire que quelque chose a détérioré, ou plutôt quelqu'un a détérioré ce qui était au préalable parfait. Nous allons dans Jean au chapitre 10. Jean chapitre 10 au verset 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, c'est moi qui rajoute mais moi. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà le travail de l'ennemi, de Satan, c'est de propager la destruction. Propager la destruction dans la vie de l'homme. Quand on parle de destruction, on parle de détérioration, démantèlement. Une chose qui est abîmée, des dégâts qui sont constatés. Et le diable vient, la seule mission du diable justement, c'est de détruire ce que Dieu a fait. C'est de détruire ce que Dieu a bâti. Et en fait, à chaque fois que Dieu bâtit quelque chose, sachez que le diable n'est pas loin. À chaque fois que Dieu te donne quelque chose, c'est vrai, ça vient de la part de Dieu, mais prenez garde. C'est-à-dire, le diable n'est pas loin afin de détruire ce que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi, même quand nous sommes dans un mariage, c'est bien de fêter, c'est bien de manger, c'est bien d'inviter les gens. Mais c'est une chose à une portée spirituelle. Et donc si nous ne prenons pas garde, le diable aura toutes les occasions afin de détruire, malgré que c'est Dieu qui nous l'ait donné. En fait, tout ce que Dieu nous donne est sous notre responsabilité. Et nous avons le devoir de prier pour ce que Dieu nous donne. Mais la première des choses que le diable veut détruire dans la vie de l'homme, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la situation financière, encore moins la santé. La chose qui préoccupe le diable, c'est ta relation avec Dieu. C'est ce qui dérange le diable et tout ce qu'il met en œuvre est dans le seul but de casser ta relation avec Dieu. Nous le voyons dans Genèse, Genèse chapitre 3, au verset 1. Genèse chapitre 3, verset 1. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Je saute et je vais directement au verset 24. Après que l'homme ait péché, la Bible dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Voilà le but de l'ennemi, voilà le but du diable. Par-dessus tout ce que Dieu peut nous donner, la chose capitale à garder pour un enfant de Dieu, c'est sa relation avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec le Seigneur? La relation avec Dieu ne se fait pas par procuration.
Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui atteste que tu es là, tu as une relation avec Dieu. Ce n'est pas le fait de vivre dans une famille dite chrétienne qui atteste que tu as une relation avec Dieu. Et nous le verrons tout à l'heure que la première des choses que Dieu met en œuvre pour restaurer la communion entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà le but du diable, c'est d'emmener l'homme à souiller, à se souiller, à pécher contre Dieu. Et en fait, quand nous péchons contre Dieu, nous sommes, nous quittons la présence de Dieu, nous quittons l'autorité de Dieu, et nous sommes, nous sommes facilement atteints par l'ennemi. Cela nous rend vulnérables parce que notre sécurité se trouve dans la présence de Dieu. Et lorsque tu quittes la présence de Dieu, voilà pourquoi même le peuple d'Israël, à chaque fois qu'il péchait, il y avait des sentences qui étaient mises à l'œuvre. On parle de l'exil, on parle de déportation, on parle de malédiction, de sauterelle. Voilà pourquoi, à chaque fois que nous péchons, nous nous mettons sous le joug de l'ennemi. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu veut que nous puissions lui appartenir totalement. Totalement. En péchant, l'homme a détruit sa relation avec Dieu. Mais j'aime Dieu. Dis avec moi, j'aime Dieu. Dis le plus fort, j'aime Dieu. J'aime Dieu parce que avant que le péché vienne, il y avait déjà la provision de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans 1 Pierre, ça c'est des versets qui font du bien à mon âme. Amen. 1 Pierre, chapitre 1, au verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est-à-dire avant que le péché vienne, avant que Satan vienne, il y avait déjà la provision de Dieu. C'est-à-dire, avant que la maladie vienne dans ton corps, il y a déjà la provision de Dieu. Avant que le problème vienne dans ta vie, il y a déjà la solution de Dieu. Alléluia. Dieu a déjà une solution pour ton problème. Pourquoi l'homme s'inquiète-t-il? Dieu a déjà tout prévu autour de la vie de l'homme. Bien-aimé, des fois nous faisons des prières et Dieu est en train de regretter le temps que nous passons. Parce qu'il sait qu'il a déjà tout prévu. Demande à Dieu seulement les yeux pour saisir ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Alléluia. Avant que la maladie vienne, il avait déjà pourvu pour la guérison. Et en écoutant le diable plutôt que Dieu, l'homme s'est détourné de Dieu. Mais ce qui est très fort en fait avec Dieu, et j'aime l'amour de Dieu, parce que c'est l'homme qui pêche, mais c'est Dieu qui se soucie de savoir comment ramener l'homme dans sa présence. Vous savez, à chaque fois que l'on fait du mal à Dieu, à chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, Dieu cherche un moyen pour nous ramener sur le chemin. Quel amour de Dieu, n'est-ce pas? Quel amour de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas l'effort de l'homme de rentrer à nouveau dans la présence de Dieu, mais c'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de la grâce de la restauration. Dieu a restauré la relation avec Dieu par grâce. Et la Bible dit dans Romains,
Romains chapitre 8. Aujourd'hui, je suis un peu comme le frère Pamy, on va beaucoup lire la Bible. Romains chapitre 5, pardon, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Dieu n'a pas attendu que nous puissions devenir enfants de Dieu pour commencer à mettre en place le plan de la rédemption. À partir du moment où l'homme a péché, Dieu n'a cessé de mettre en place des mécanismes pour ramener le cœur de l'homme vers Dieu. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé des hommes, mais il s'est dit non, je dois envoyer la provision du ciel. Je dois envoyer celui que j'aime par-dessus tout, afin de prouver à l'homme que je l'aime. Bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu t'aime plus que aucun autre homme ne peut t'aimer. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton frère ou ta sœur, personne n'avait la capacité de mourir à la place d'un pécheur. C'est un innocent qui a accepté de porter sur lui tous les péchés, l'iniquité de l'homme, afin de le racheter et de le réconcilier avec Dieu. Jésus est donc la clé de la restauration. Il n'y a pas de restauration entre l'homme et Dieu si Jésus n'est pas là. Le seul moyen pour l'homme d'être racheté et d'être à nouveau en connexion avec Dieu, c'est de passer par Jésus. Bien-aimé, comme je disais tout à l'heure, tu peux fréquenter l'église, tu peux être dans un département, tu peux même prêcher comme je le fais, tu peux chanter, tu peux être n'importe où dans l'église, mais tant que tu n'es pas passé par Jésus, tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Jésus est venu dans le but de réconcilier, de restaurer l'homme avec le Seigneur, avec Dieu. Et la Bible dit dans Jean, au chapitre 14, ça j'aime. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc si tu veux être réconcilié avec le Père, si tu veux être en communion avec le Père, si tu veux être en relation avec le Père, le seul moyen, c'est de passer par son Fils Jésus. Amen. Est-ce que tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Parce que vous savez, des fois, à l'église, on est tellement pressé de faire partie d'une communauté. On est tellement pressé de faire partie d'un département. On a envie de faire comme tout le monde. Ce n'est pas mauvais. Mais le seul problème, c'est qu'à la fin, chaque personne rendra des comptes personnellement devant Dieu. Voilà pourquoi, tant que nous sommes sur la terre, la première des choses, la chose indispensable, c'est de savoir quelle est la nature de notre relation avec Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, j'aimerais que tu puisses te réconforter, de savoir te positionner par rapport
à ton Dieu ce matin? Quelle est la nature de la relation que tu as avec Dieu? Est-ce que tu pries Dieu seulement quand tu as des problèmes? Est-ce que tu recherches Dieu seulement quand il y a des difficultés autour de ta vie? Est-ce que tu pries Dieu seulement pour que Dieu te donne? Ou est-ce que tu aimes Dieu dans sa nature? Est-ce que même s'il ne te donnait pas ce que tu désires, est-ce que tu continuerais à servir Dieu? Est-ce que même si tout le monde abandonnait Jésus, est-ce que toi tu continuerais à servir Dieu avec fidélité? Et cette relation demande que nous puissions nous poser des questions chaque jour, de remettre cela en cause, de faire une introspection. Suis-je toujours en bonne relation avec Dieu? Bien-aimé, on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Tu peux tromper l'apôtre, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Quelle est la nature de la relation avec mon Dieu? Jésus est le médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'on ne te condamne pas, je ne te condamne pas, mais je viens seulement te montrer la grâce de Dieu, te montrer que la grâce de Dieu est disponible. La Bible dit, s'il nous arrivait de pécher toutefois, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Et il intercède pour nous. J'aime parce que l'avocat, c'est notre frère. Et le juge, c'est notre père. Donc, le jugement est biaisé. Comment on peut condamner quelqu'un? L'avocat, c'est le frère de la personne qui a fait du mal. Et la personne qui doit émettre un jugement, c'est le père. Est-ce que le père peut condamner son enfant? Jamais. Et tu es un enfant de Dieu. Amen. Le jugement est biaisé. Dis avec moi, le jugement est biaisé. Dieu t'a acquitté par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi même cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, ils ont fait une erreur capitale. Vous emmenez une femme détruite vers le Dieu de la restauration. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il fallait la lapider, là comme elle était, au lieu de la ramener vers le Dieu de la restauration. Et Dieu a restauré sa vie. Dieu est capable de restaurer même des réputations. Dieu est capable de restaurer même des réputations. La Bible dit que la réputation, c'est plus qu'un parfum de bonne odeur. La réputation te précède. La réputation peut t'ouvrir des portes. Tout comme la réputation peut te fermer des portes. Bien aimé, des fois, ce n'est pas seulement la prière. Des fois, c'est juste la réputation. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent ici dans cette église à cause de la réputation de l'homme de Dieu? C'est-à-dire, on n'a pas eu à prier pour ces personnes-là. Les personnes ont constaté le témoignage de l'apôtre et ils viennent à l'église. C'est-à-dire, Dieu peut te faire grâce à cause de la réputation. Que Dieu rétablisse ta réputation au nom de Jésus. Que Dieu efface les paroles des hommes sur ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Mais la clé pour l'homme, pour bénéficier de cette restauration, c'est tout simplement de se repentir, de passer par la repentance devant Dieu. Je ne parle pas seulement de la repentance le jour du baptême. Je ne parle pas seulement de ça. Je parle d'une vie de repentance. Je parle d'une vie où nous cherchons à atteindre et à comprendre la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Parce que parfois, nous prenons des décisions
qui donne accès au diable de détruire nos vies. Vous savez, Élimélec, dans Ruth au chapitre 1, avait pris la décision de quitter Bethléem par rapport aux situations, à ce qu'il voyait, il a jugé bon de quitter la maison de pain. Le problème est qu'il n'a pas consulté Dieu. Est-ce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, est-ce que tu consultes Dieu avant ou pas? Parce que nous sommes les premiers à condamner le diable. C'est vrai, il a sa part du travail, c'est vrai. Il est là aussi pour détruire, c'est son travail, effectivement. Mais le diable ne peut pas avoir l'avantage sur nous, enfants de Dieu, si nous marchons dans la sanctification avec Dieu. Amen. C'est vrai que le diable fait son travail, mais il n'a pas autorité à toucher ta vie tant que tu es dans la présence de Dieu. La Bible dit, David, à chaque fois avant de partir au combat, il consultait Dieu. Éternel, irai-je au combat? Des fois, nous mettons Dieu dans des problèmes là où il ne voulait pas que nous soyons. Des fois, nous nous engageons sans Dieu. Et après, nous constatons la destruction. Élimélec est sorti sans consulter Dieu. Et cela a entraîné la mort dans sa famille. Seigneur, apprends-nous à connaître ta volonté. Apprends-nous à prendre des décisions en apport, en rapport avec ta parole. Une repentance sincère donne l'accès à l'homme de jouir de la restauration de Dieu. Je parle d'une repentance sincère. La repentance, c'est comme le frère Théo l'a prêché il n'y a pas si longtemps que ça. C'est de se détourner de la voie que nous étions en train d'emprunter afin de suivre Jésus. Pas une repentance des lèvres. Pas une repentance d'apparence. Mais une repentance où le cœur se répand dans la présence de Dieu. Où je reconnais que j'ai mal fait. Où je reconnais que je me suis mal comporté. Je reconnais que si je vis cela aujourd'hui, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est à cause de mes propres décisions. Je reviens dans la présence de Dieu pour solliciter la grâce de Dieu. Parfois, l'homme pêche et il incrimine Dieu. Il y a un temps où j'étais comme ça, où en fait, vous savez, l'homme est un... Il n'y a pas plus hypocrite que l'homme. Il n'y a pas plus hypocrite. L'homme peut donner une apparence de piété, mais en réalité, dans son cœur, il est loin de Dieu, très loin de Dieu. Et je me rappelle... Il y avait quelque chose que Dieu me reprochait, mais je ne voulais pas, bon, c'est pas que je ne voulais pas, mais moi, pour moi, je ne voyais pas en fait le mal que j'avais fait. Et en fait, ma vie était en train de tourner en rond parce que je n'avais pas fait justement ce travail de repentance devant Dieu. Des fois, nos vies stagnent. Vous savez, Dieu peut te laisser partir. Tu as eu un problème ici. Et Dieu te laisse aller. Tu fais le trajet de ta vie. Tu pars, tu pars, tu pars. Et il sait que tu dois revenir ici pour aller encore plus loin. Mais il te laisse aller. Il te laisse aller, il te laisse aller, il te regarde, il attend. Comme ce fils prodigue qui était parti. Et le père savait que de toute façon, il est obligé de revenir à la source. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Jérémie, revenez à moi, revenez à la source. Ce matin, je dis à quelqu'un, reviens à la source. Reviens à la source de Dieu. Reviens à la source. Cette source est inépuisable de compassion. Cette source est inépuisable de grâce. Inépuisable.
aucun péché n'est plus grand, n'est plus fort que l'amour de Dieu dans la vie d'un homme. Aucun péché. Des fois, c'est nous qui attribuons des points au péché. Bon, là, j'ai péché, j'ai menti, ça, c'est 2 points. L'avortement, ça, c'est 10. Ah ouais, l'avortement, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Mais en fait, devant Dieu, que tu aies menti, que tu aies avorté, que tu aies volé, en fait, pour Dieu, c'est la même chose. C'est un péché. C'est un péché qui demande la repentance. Et si donc la première clé, c'est la repentance sincère, la deuxième, je dirais que c'est l'humilité. Pour que Dieu restaure un homme, il doit être humble en s'approchant de Dieu. Si tu veux vivre la restauration de Dieu, tu dois t'approcher de Dieu avec humilité. Reconnaître que par rapport à cette situation, je suis faible. Vous savez, des fois même dans nos manières de prier, c'est comme si on oblige Dieu de faire. Seigneur, tu es obligé de faire. Dieu n'est pas obligé. Dieu fait des choses dans sa souveraineté. S'il ne veut pas aussi, il ne fait pas. Donc tout dépend aussi de ta manière de présenter ta requête à Dieu. Comment tu demandes à Dieu d'intervenir dans ta vie? On a vu des gens même qui ont boudé Dieu. Seigneur, si cette année tu ne fais pas, en tout cas j'arrête, je ferme la Bible, je quitte l'église. Bon, tu quittes ça. Mais ça n'empêche que Dieu restera toujours Dieu. Quelle est ta manière de demander à Dieu? Est-ce que tu demandes à Dieu avec humilité? Ou tu reconnais ta faiblesse et tu sollicites l'intervention de Dieu? Tu sollicites l'intervention de Dieu. Je disais tout à l'heure que même si la destruction vient du fait que nous ayons désobéi à Dieu, Dieu est capable de restaurer cela. Même quand c'est ta faute, même quand tu es le propre acteur de la destruction dans ta vie, Dieu est capable de restaurer cette vie-là. Et vraiment, pendant que je préparais le message, je voyais, je sentais vraiment un esprit de culpabilité dans le cœur de plusieurs. Tu dois aussi apprendre à te pardonner. Il est des fois plus facile d'accepter le pardon de Dieu que de se pardonner soi-même. Et ce matin, je prie le Seigneur que cet esprit de culpabilité puisse te quitter. Et que tu puisses accepter le pardon de Dieu. Le sang a coulé pour nous pardonner. Alors si il est vrai que la destruction peut venir quand nous sommes en dehors de la volonté de Dieu, il est aussi vrai de vivre une destruction lorsque nous marchons en parfaite communion avec le Seigneur. Et nous avons le cas de Job, où la vie de Job a été détruite par le diable, mais Dieu, par sa grâce, a rétabli Job. Et j'aime la restauration de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu rétablit une personne, il ne rétablit pas cette personne à l'état initial. Non. Quand Dieu rétablit une personne, il ne le met pas seulement dans la position qu'il occupait avant. Non. Regardez avec moi. La Bible dit dans le livre de Job. Ça, c'est la grâce de la restauration. La Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. D'abord, quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé.
quand Dieu te rétablit, il te donne toujours au-delà de ce que tu avais avant. Et j'aime ça parce qu'en fait, le diable sert au dessein de Dieu. En fait, Dieu des fois permet que tu perdes des choses pour te donner au-delà de ce que tu avais. Dieu permet des fois certaines difficultés pour t'introduire dans une autre dimension que celle que tu avais auparavant. Dieu parfois se sert du diable pour te voler, pour te détruire, afin de bâtir une chose totalement parfaite et nouvelle dans ta vie. Ça, c'est la restauration de Dieu. Nous allons bientôt prier. Et j'ai une question ce matin à vous poser. Comme Jésus avait posé la question à cet homme qui était à la piscine de Bethesda. Vous savez, quand une chose est détruite, quand une chose est anormale dans la vie d'un homme, la chose la plus dangereuse, c'est lorsque nous nous habituons à ce désordre. C'est lorsque tu t'habitues à cette maladie. C'est lorsque tu t'habitues à vivre dans l'angoisse et vivre dans la souffrance. Et j'aimerais te dire ce matin qu'il est possible d'être restauré totalement et parfaitement par Dieu. Cet homme qui était à la piscine de Bethesda était en train de se lamenter par rapport à sa maladie. Mais il ne savait pas que le Dieu de la restauration allait venir à lui. Tout comme ce matin, le Dieu de la restauration est en ce lieu. Et il est capable de restaurer chaque domaine de ta vie qui a été détruite par l'ennemi. Et il a posé cette question à cet homme. Veux-tu être guéri? Des fois, c'est notre manque de précision dans la prière qui fait tarder l'action de Dieu dans nos vies. En fait, quand on demande quelque chose à Dieu, nous devons être précis par rapport à la chose que nous demandons. Et c'est à partir de cela même que tu peux témoigner Dieu. Veux-tu être guéri? Et ce matin, je pose la question à une personne. Veux-tu être restauré par Dieu? Veux-tu être restauré par le Seigneur? Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Moi je viens puiser plus de toi encore. Moi je viens puiser plus de toi encore. Ce matin, viens puiser ta restauration. Je viens puiser Arabashadere, plus de toi, Federabala. Moi je viens puiser. Que cela soit une prière pour toi. Là où tu vois que le diable a détruit ta vie, commence à solliciter l'intervention de Dieu. Je viens puiser. Je viens puiser ma guérison. Je viens puiser ma restauration. Oh, Rabashadere. Encore, je viens puiser.
Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternel.
tellement. Il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement, Jésus. Il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement, Jésus. Il est le même, il est le même. Je chante, le Dieu que je prie n'a pas changé. Il est le même éternellement, Jésus. Il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais avec toi Jésus je régnerai à jamais. Oh, moi je veux danser pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Acclamer Jésus. Il est le roi. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Il est le roi. Ah oui, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Père, nous prions que tu sanctifies ces offrandes et que tu accordes également la sagesse dans sa gestion. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez momentanément reprendre vos places et j'aimerais inviter toutes les personnes qui nous rejoignent pour la toute première fois. C'est votre premier culte. Vous êtes venus communier avec nous. Je vous prierai de faire deux gestes. Premièrement, vous lèverez juste votre main droite ou gauche. C'est votre première fois de se réunir avec nous. Ah, on est tous des anciens. On bénit le Seigneur, vu qu'on est des anciens. On va se lever, on va célébrer le Seigneur. J'aimerais que tu recommandes cette semaine à la grâce de Dieu. Tu vas prier pour que cette parole ait des effets, que Dieu restaure tout ce qui était bousillé. Au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Merci pour le privilège que nous avons eu de nous tenir devant ton trône. Merci, Père de grâce, pour l'armée des anges que tu as mobilisée. Merci pour l'Esprit de Dieu qui a conduit ces cultes. Merci pour l'esprit de révélation, d'inspiration dans les chants. Père, merci pour l'action invisible du Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous repartons de ces endroits, peut-être pas salis des habits, mais nous repartons avec des traces de ta main sur nos vies. Nous prions que cette semaine soit bénie. Nous prions, Père, que la faveur de Dieu nous accompagne dans chaque détail de nos vies. Comme disait le psalmiste, le bonheur et la grâce nous accompagneront et nous habiterons dans ta maison. Au nom de Jésus, que l'amour de notre Dieu, la communion du Saint-Esprit et la grâce soient notre partage. Au nom de Jésus, nous disons Amen et nous nous saluons fraternellement avant de sortir. Que Dieu nous bénisse.